Hey Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragan et on se retrouve pour un troisième Labo Build. Je voulais en faire un sur un autre tueur de Labo Build. Même j'en ai deux en tête. Mais j'avais envie de vous en faire un donc sur Vecna. Un build qui ne peut pas plaire à tout le monde, donc j'essaierai d'en faire d'autres. Mais un build que s'il est bien maîtrisé et que vous avez vraiment de la chance niveau map, hein, si vous avez une map petite ou une map fermée, c'est encore excellent. Allons-y, trêve de bavardage. On va commencer par les add-ons, la robe de vision totale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle révèle l'aura des survivants à moins de 8 mètres d'un coffre au trésor pendant 3 secondes chaque fois que vous jetez un sortilège. Donc rien que ça déjà c'est très très bien parce que ça vous révèle donc l'aura d'un survivant qui sera à côté d'un coffre au trésor qui est à 8 mètres d'un coffre au trésor pendant 3 secondes. Et ce, imaginons si on jette un sort, il est révélé pendant 3 secondes. Si on en jette un autre, il y a des chances qu'il soit encore révélé derrière. Bah tant qu'il reste autour du coffre. Et comme vous savez, il peut y avoir beaucoup beaucoup de coffres sur la map. Donc ce qui peut être encore très très excellent. Et encore plus si un survivant ou autre vous permet de rajouter des coffres sur la map, c'est encore bueno. Lanterne de la révélation révèle l'aura des survivants ayant échappé de peu à la volée des damnés pendant 3 secondes. Voler des damnés, c'est le sortilège de Vecna qui permet d'envoyer ses sbires squelettes. L'un des pires sortilèges de Vecna parce que, à part que si vous mettez l'addon, si vous mettez donc un addon irisé qui lui permet de réduire à 2 ou 3 ses volets de squelettes qui rasent le sol, et je crois que c'est 2, et ben sans ça. Ben, c'est trop facilement esquivable, à moins que tu es dans un bon loop. Dans certaines situations, c'est chaud d'esquiver. Honnêtement, dans certaines situations, c'est chaud. Et encore quand tu t'y attends pas. Mais si le survivant donc s'abaisse ou évite donc de peu à la volée des damnés, vous verrez de nouveau son aura pendant 3 secondes. Les perks, ça va être des perks assez simples et assez basiques. Donc le chili barbecue. Quand vous aurez accroché un survivant, tous les auras des survivants vous sont révélés pendant 5 secondes à plus de 40 mètres du crochet. Donc 5 secondes, ce qui est quand même bien. Mais qui peut être donc ce qui est bien, c'est que voilà, la perk aussi poursuivant meurtrier va vous permettre de vous booster. Et l'autre quatrième perk est intéressante. Toutes les perks sont cool. La première, donc chili barbecue, est bien. La deuxième, donc, c'est la perk de Vecna. La première qui est la perk de Booba. Lien avec la trame. Lorsque les charges d'un objet d'un survivant seront épuisées, il va lâcher son objet. Nous, on voit l'aura des objets qui sont lâchés. Quand un survivant a terminé, imaginons de faire un gène avec une boîte à outils, cette boîte à outils va tomber. Si un survivant a fini d'utiliser une flash, elle va tomber. Mais il y a encore mieux, vous verrez pourquoi. Mais imaginons, vous vous dites, ouais, mais le survivant, ok, il va savoir que son objet est tombé, il va le reprendre. Eh ben, le dernier truc de lien avec la trappe, c'est si un survivant ramasse un objet de survivant, il subit l'effet de statut inconscient pendant 30 secondes, ce qui est énorme. 30 secondes, vous vous rendez pas compte que ça peut être énorme. Je sais pas, vous faites une chaise, vous voyez qu'un survivant veut récupérer son objet. Eh ben, il est inconscient, il récupère son objet, vous pouvez aller sur lui parce que vous avez vu son aura avant qu'il le récupère, et vous le dégommez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous vous dites qu'il est obligé de terminer donc ce qu'il fait avec, obligé d'utiliser son objet pour qu'il lâche par terre et donc qu'on voit l'aura des survivants à 12 mètres d'un objet au sol. Mais c'est là que Trépas de Franklin fait l'affaire, parce que Trépas de Franklin... Et ben dès que vous allez taper un survivant avec un hit, il va lâcher l'objet. Et s'il n'est pas ramassé, l'objet au sol perd toutes ses charges au bout de 90 secondes max.
et dévoile les objets au sol à moins de 32 mètres à l'aide d'une aura blanche. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est si imaginons il récupère son objet, vous lui remettez un coup, il refait tomber son objet pendant une chaise, son objet est au sol, s'il sait pas où il est perdu sur la map en révélant l'aura grâce à lien avec la trame. Et poursuivant meurtrier, donc cette perque en cas où le trépas de Franklin et tu perds aussi de Booba, comme pour le Chili. Et donc celle de Nemesis qui est le poursuivant meurtrier. Au début de la partie, on voit l'aura de tous les survivants pendant 9 secondes. Et à chaque fois que l'aura d'un survivant est révélée pour une certaine durée, la durée augmente de 2 secondes. Genre, j'accroche quelqu'un, Chili au lieu de 5 passe à 7 secondes. Voilà, c'est un exemple que je vous donne et c'est très très fort. Mais vous allez voir ça, on va faire une game ou deux avec ce build. Vous allez voir ce que ça va donner. Et je vous garantis que vous allez adorer. On se retrouve tout de suite. Yes, la map de Michael Myers. Ça va être un pur plaisir parce qu'elle est petite. Rien que pour ça que c'est cool. Alors, où sont mes petits cocos? Ok, il y en a un qui est là, qui croit qu'on le voit pas. Il y en a une qui est descendue. Toi, je sais où t'es. Alors, cette perque, c'est une perque que je ne jouais pas beaucoup avant. Et on va pas se mentir, c'est une perque juste hyper cool. Elle est vraiment cool. Alors, ça dépend après le build que vous faites. Il y a des builds où elle ne verra pas du tout. Elle aura pas du tout sa place. Hein. Mais dans une bonne partie des builds, eh ben, elle est très très forte. Je ne vais pas vous mentir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ? Oui. Ah, te voilà. Toi, t'as gardé ton objet sur toi, donc déjà ça m'intéresse. Ça va être le genre de personnes qui vont garder leur objet. Qui vont pouvoir garder leur... Enfin, qui vont vouloir récupérer les objets au sol. Et encore, moi je vous fais cette vidéo de build alors que le build est déjà connu. Hein. Des bons survivants qui tomberont contre ce build. Alors je vous dis qu'il est fort, hein, mais il est vraiment très fort. Mais contre des survivants qui vont tomber des bons survivants, quand ils vont savoir que déjà que ta chute de Franklin et que tu joues Vecna, il y a beaucoup de chances que tu as ce build là. Ils vont lâcher leur objet au sol le plus possible. Mais vraiment. Toi, tu vas venir avec moi. Voilà, la petite mimine. On va faire tomber ta petite lampe. Vu que là-bas, il y a une lampe qui est tombée, je vois ton aura. Voilà, c'est excellent. Je vois encore plus ton aura. Enfin, je te vois plus encore là. Vu que tu passes comme ça, ok. Je te vois. Oh, ça par contre, c'était pas legit. Hein. Je tiens à préciser. En aucun cas, c'était legit le coup qu'elle s'est pris. Elle était déjà rentrée dans le casier pendant que j'ai mis le coup. Donc là, c'était pas legit. Mais est-ce qu'on va dire que la plupart des coups sont legit ou que la plupart des trucs que font les survivants, des fois, c'est legit? C'est mitigé. Chacun son truc, quoi. C'est chacun à son côté, quoi. Mais j'avoue que dans les survivants, en tant que tueur, j'ai déjà eu des coups, des fois, qui... Enfin, même souvent des coups qui ne sont pas legit. Non mais, t'as ton objet au sol, y'a un objet au sol, je te vois. Je te jure. Elle essaye de se mettre devant, mais ça sert à rien, meuf. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Toi, je vois encore ton aura, c'est qu'il y a encore un objet au sol. Toi, tu dégages. Tu cherches les coups. Elle a cherché les coups, la Feng Min, hein. Et maintenant c'est lui qui la protège. Bah tu sais quoi, vu que t'as cherché la merde, je vais te mettre au sol. S'il y a moyen que je te mets au sol, je te mets au sol. Vraiment. Bon, il est parti là-bas. Elle est partie là-bas. On va les laisser partir.
Ah, ça se soigne. Ah, d'accord. On va les lancer l'orbe. Mine de rien, je vois de moins en moins de survivants utiliser les objets de Vecna, si vous voyez ce que je veux dire. Les coffres pour voir l'œil de Vecna, les trucs comme ça. Pourtant, ça peut bien contrer. Voilà, toi tu vas au sol, tu dégages. Les animations de Vecna sont tellement beautiful. Donc voilà, ce build est très très fort. Mais il est encore plus, voire bien pire, quand vous tombez sur une team qui ne s'attend pas à ce build ou qui n'a jamais joué contre. Là, c'est quasi, je dirais, du free win. Mais là, il se démerde bien en face. Là, en face, il se démerde bien. Il y en a certains qui récupèrent leur objet, mais bon, quand on récupère le... vous savez que quand ils récupèrent leur objet, ils sont inconscients pendant 30 secondes. Donc voilà. Donc ils ont un inconvénient. Ils ont un inconvénient de jouer de cette manière. Voilà, toi tu vas essayer de prendre les coups. Vas-y. J'ai cru qu'elle allait baisser la palette, j'allais dire. Par contre, là, elle a trop stressé sinon. T'es dans ma bulle. Et toi, on va te remettre au sol. Bien joué, le. Bien joué, bien joué. Toi, si je peux taper pour que tu passes ton objet au sol, voilà, casse-toi. Merde, j'ai appuyé pour ton clic gauche pour faire le lancer de vol. C'est quoi ce caca boudin des obscurs? C'est quoi ce caca boudin obscur des ténèbres aux yeux bleus? Sérieux? Quand j'appuie clic gauche, le sort ne s'active pas. C'est pas gentil tout ça, monsieur. Le relevage de palette, franchement, même s'il est deux temps de ouf, il est très très fort. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire clic. Ah, des fois, la molette, il y a encore un petit peu de mal, mais ça... Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais des fois, j'avoue qu'il y a encore... C'est encore un petit peu chaud de night. Oh, toi, j'ai envie de dire, est-ce que je te laisse ici? Est-ce que je m'en fous de toi? Vas-y, je te mets juste un coup. J'ai envie de te taper une fois. Oh non, j'ai mal fait. Oh, c'est bon, ta mère. Oh, il a baissé la palette, il a stressé. Bon, bah, il y a une palette qui est gâchée de mon côté. Donc, c'est cool. Ok, donc là, bon, bien sûr, mon add-on n'a pas marché. Viens là, ma coquinette. Moi aussi, je suis passé par la fenêtre. Je m'appelle Voldemort. Je crois qu'elle a été perturbée par ce qui vient de se passer. Parce que c'est pas normal qu'elle ait foncé sur moi. Il y a quelque chose qui va pas, là. Toi, normalement, si je t'accroche, toi, ta gueule dégage. Non, et si je la mets au sol, ça devrait être la troisième fois. Léon, dépose ta trousse de soins. Non mais il a repris. Non mais attends, il a repris sa trousse de soins, ce petit con. Je crois qu'il est là-bas, lui. Elle est morte. Voilà, je tiens à préciser. Voilà, elle est morte. Ça dégage. C'est bon, de toute façon je peux pas me faire flash, c'est impossible. Ok, donc un hit demi. Oh, bien joué, deux hits demi. Elle se débat pas, la Fengmin, elle se débat pas. Vous avez perdu les mecs, hein. Vous avez perdu à cause de Fengmin, hein. Elle se débattait pas, hein. Ah si, elle se débattait, mais pourquoi j'entendais pas le débattement? Taras. Alors toi, Léon, je vais
Oh, je vais t'enculer. Je vais te briser les os. Tu vas boire mon... Je vais te boire ton sang. Et non, il reste plus que la Fegmine qui est toute seule. Et ben c'est bon, on a gagné. Allez. Vous avez donné votre fesse pour Fegmine. Ben moi, je lui donne un coup de dague. Et c'est bon. Game close. Let's go. Ouais, c'était cool quand même. C'était toi que je vais accrocher, donc c'est toi que j'accrocherai. Voilà. Alors, vous, vous êtes où? Mais ils sont où? Attends, je vous entends. Non. Attends. Ah là, ils sont mis au fond. Ah, bande de vilains, vous êtes mis au fond. Ah, toi, je peux te mettre là-bas. Léon, on sait qu'il était à l'endroit où je l'ai frappé. Je l'ai mis au sol, mais à mon avis, il va se mettre dans la cave en bas. Regardez-le, il est descendu. Je le savais. Heureusement que Chili Barbecue marche. Enfin, je dis heureusement, quand c'est moi, je râle, mais quand c'est les autres, ça va. Je me dis, bon, là, ça va. Lui, il s'est mis ici pour être sûr de ne pas se raccrocher. Et vu que je serai à perpète, je saurai où est l'autre s'il se déplace. Oh, il y a un crochet juste ici, c'est nice. Et ensuite, plus qu'à accrocher le dernier survivant. Est-ce qu'il est resté au même endroit? Ouais, il a pas bougé. Il a pas bougé, le petit coquinou. Donc, t'es toujours là. Ah non, tu t'es déplacé. Sur le côté, non? Ah oui, le coquin. Il a été... Ah oui. Ah mais avec ton skin, t'es trop caché. Ah ouais, avec ton skin, t'es bien caché, mon sauce. Ouais, j'allais dire, débat-toi, hein. Même si je pense que tu n'auras pas le temps. Et... close. Mais bon, comme d'habitude, je vous ferai une deuxième partie, hein. On va pas en faire qu'une seule. Vous en ferez une deuxième, on va voir et tout ce que ça peut donner sur une plus grande map, extérieure ou intérieure, je m'en fous. Et au moins déjà ça c'est cool. Première game est close. On va entamer une deuxième. Oh, l'Institut de Léry, ça peut être très monstrueux. Oh, ça peut faire mal. Ou ça peut faire mal ici. Je dis ça, ça se trouve, ça va puer sa mère. Par contre, en face, dans le lobby, il n'y en avait que deux qui avaient... Il y en avait... Mais arrête de gueuler, toi, petit con. Il y en avait que deux qui avaient des objets. Alors, si vous voulez jouer votre build au maximum, vous pouvez faire votre chien et relancer le lobby jusqu'à temps de tomber sur 4 survivants avec des objets. Voilà. C'est une méthode de gros chien, mais c'est une méthode qui marche. Que j'ai déjà pas encore essayé. Voilà. Ça a baissé la palette. Oh, bien joué les 3-6, tu me l'as bien joué. Là, très très beau. C'était très très beau. Je suis en admiration devant ton skill. Elle va baisser palette qui est là. Mais on s'en fout de la palette, hein. Je suis étourdi un petit peu plus, hein. Je passe les palettes là tranquillou. Enfin, je... Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que je suis pas étourdi beaucoup. On dirait que mon étourdissement, il est réduit. C'est un truc bizarre, hein. De la manière que Vecna est étourdi, alors qu'il n'y a pas de changement... Il n'y a pas de changement au niveau de l'étourdissement. Oh, regardez, Nicolas Cage, il s'est mis au sol. Oh, vas-y, on va le choper. Oh, si on chope Nicolas Cage pendant qu'il est au sol, je rigole. Nicolas! Oh, il doit avoir les boules. Il s'est mis au sol pour avoir full régène et il est mort au sol. Et je le chope. Chili barbecue, c'est tellement bon. Toi, on t'a vu sur la gauche, hein? Voilà, vous l'avez vu.
Vous l'avez vu comme moi. Elle est souple, elle est souple, elle est souple, la coquinette. Bien joué, bien bien joué. On va casser la palette. On s'en fout, on casse la palette. Pour l'instant, actuellement dans la game, on gagne. C'est nous qui avons la game. Voilà, elle a fait demi-tour, elle a cru que je la voyais pas, mais je vois ton aura. Je vois ton aura sur la map. Hein. On va la laisser pour l'instant. On va la laisser, on va casser palette là parce que c'est intéressant de la casser. Alors ce qui est fort, quand on met la main de Vecna, c'est comme si on a parfaite occasion. Et c'est ça que je trouve fort. La main de Vecna te donne une sorte de mini parfaite occasion. Elle s'est demandé où j'allais arriver. Allez, mets-toi au sol, mets-toi au sol. Oh la pouf. Non, ça c'était pas legit. Même si j'ai fait une attaque chargée, j'étais pas censé te toucher. J'étais sûr à 100% que j'allais taper dans le vide. Bon, ça c'est fait. Activation de Chili Barbecue. Ok, nickel. On a Chili Barbecue. En plus, on a le spell de Vecna. Coucou toi, j'espère que tu vas bien au lieu de gueuler. Il essaye de faire sa compétence depuis tout à l'heure. Ça fait deux fois qu'il gueule. Eh, ça se trouve, il est en train de tenter l'adepte de Nicolas Cage. Ça se trouve, il tente l'adepte de Nicolas Cage. Parce qu'il a la perque pour se mettre au sol, la perque pour faire les trucs aléatoires de Nicolas. Et lui, je pense qu'il a pas l'habitude de jouer contre Vecna parce que depuis tout à l'heure, il ne se baisse pas quand j'active les spectres. Mes spectres, mes damnés. J'entends quelqu'un derrière. C'est bien ce que je pensais, j'ai entendu quelqu'un avec les bruits de pas. Non mais il est mort hein. Ah, elle veut que je l'accroche. Ah, tu veux. Mais pas ici hein. En toute intimité, pas ici. Je crois qu'en fait, ils ont abandonné. Mikaela a déjà abandonné. Regardez, elle se débat pas. On n'entend pas son débattage. Elle abandonne, donc elle va se laisser mourir. Donc déjà, elle, elle est morte. Non, je t'ai touché, hein. Non, mais... Elle voulait baisser palette, maintenant tu peux pas baisser palette, t'es niqué. Allez, viens avec moi. Si on a de la chance, la Fegmine, on saura où elle est grâce au Ishii et barbecue si elle a pas de distorsion. Là, si on sait où est Fegmine, on a gagné la game. Hein. Je tiens à préciser. Fegmine, est-ce que t'as distorsion? Non, c'est bon, on sait où elle est. Allez, let's go. On balance vers elle l'orbe. Et on sait où elle est, c'est bon. C'est gagné. À part si elle trouve la trappe, hein. Je tiens à préciser, si elle trouve la trappe, c'est pas gagné. Là, ça va dépendre de beaucoup de facteurs de chance ou pas pour moi. On va faire le vol. Le vol, tu rattrapes tellement la distance entre eux. Toi et le survivant. Là c'est risqué. Elle aurait bien joué, elle aurait pu me remettre la palette dans la gueule. Là j'ai mal joué. Allez, la volée des damnés. Si on la fait bien, c'est bon. Nickel, normalement c'est bon, on a gagné. Elle aura pas le temps d'atteindre la palette. C'est bon, nickel. La game est close. Voilà, vous voyez ce que ça donne ce build. Que je trouve fortement très intéressant. Très fort. Contre des petites teams, voire moyen, voire des teams bien sûr qui ne connaissent pas ce build. Contre des grosses teams qui ne connaissent ce build, ça sera un peu plus compliqué, mais... Pourquoi il veut pas taper? Il y a un bug, d'accord. Mais en tout cas ce build, non, il a du potentiel. Après vous pouvez l'améliorer comme vous voulez, mais actuellement je trouve qu'il a un bon potentiel. Et il y a de quoi s'amuser. Tu vois ma petite mimine? Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle la mimine. Non franchement, ce build, testez-le.